سالو تو الموند من جديد في هذا لا نوفيل اللي فيها رانا مواصلين ومستمرين في السلسلة اللي بديناها تاع استغلال العطلة الصيفية نستغلو العطلة تاع الصيف باش نحسنو المهارات تاعنا ولا باز تاعنا

les lettres minuscules et le cursif. Après, on fait le majuscule et le cursif. Comme la dernière fois, on a le cursif, on a script, on a le minuscule, on a le majuscule. Donc, ça, c'est le L minuscule. Après, on a le L majuscule et le L majuscule en cursive. Voilà comment ça s'écrit. Donc, c'est le L. Après, on a la voyelle U. U, U, donc, raoulique le U en cursive, Raoul le U majuscule, U, 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 meshi, I, meshi, I, U, U, d'accord Et bien sûr, le U majuscule en cursive. Allez, on va prendre, choufna le L, choufna le U, on va former maintenant des syllabes et on va voir comment... On va lire les syllabes. Donc L avec A, bien sûr c'est la. La. On dit L avec O, bien sûr c'est lo. L i li. Li. L u lu. Lu. M avec le U c'est mu. Mu. T avec le U, c'est tu, tu. On va former des mots maintenant, puisqu'on a, a vu les lettres, on a vu les voyelles, on a vu des syllabes. On va former les mots, parce qu'en fait, les mots au moins c'est une série de syllabes. Les syllabes, les crétes, les ils vont former des mots, d'accord Donc premier mot maintenant, c'est une tortue, tortue. C'est quoi une tortue? Voilà la tortue. Une tortue. Tortue. Encore un mot. Un, lit, lit. Attention, le T à la fin du mot ne se prononce jamais. Manon troche. Un, lit, lit. Voici un lit. Un, lit. Encore un mot. La, Lune. La lune. Voici la lune. D'accord On va prendre une autre lettre. On a vu le L, le U. On va prendre une autre lettre. Donc ça, c'est le R. R. Voici le R en cursive. En cursive, c'est-à-dire sur le cahier. Ça, c'est le R majuscule et ça c'est le r majuscule en cursive une voyelle c'est le e et le e c'est en fait comme le e mais il y a l'accent dessus alors e cursive et majuscule et e majuscule en cursive on va former des syllabes le R avec le I, c'est RI, RI, RI. Le R avec le U, c'est RU, RU, RU. Le R avec le E, c'est RÉ, RÉ. D'accord On va prendre des, des mots. Une école. Une école. École, voici une école. Le deuxième mot, la météo. La météo, météo, météo. météo. Voici la météo. La météo, c'est euh, taxe en général. Un, une autre lettre, on a le B. B, et attention, la lettre B, toujours les élèves font des fautes. Puis la lettre B, ils confondent, c'est-à-dire, le B et le D. Surtout script, bien sûr. Le B et le D. Donc, le D, ça, c'est le B. Donc, voici le B en cursive. Et ça, c'est le B majuscule et B majuscule en cursive. Une autre lettre, il mélange les élèves, les élèves mal b y a le p le p donc surtout ça c'est surtout la dictée des fois on dicte un mot avec un p ou de la avec le b donc attention le p et le b ils notre mais ils sont pas pareils donc ça c'est le p p c'est pour ça de tout le compte. directement après le b bêche un miso binâttron donc ça c'est le p script ça c'est le p cursive ça, c'est le P majuscule et ça, c'est le P majuscule en cursive. On va former des syllabes. B avec un A, bien sûr, c'est BA. BA. P avec un A, bien sûr, c'est PA. PA. Après, le B avec le U, c'est BU. BU. Le P avec le U, c'est. Pu, pu, d'accord Après, le B avec le E, c'est Beu, Beu, Beu. Et le P avec le E, c'est Peu, Peu, Peu. Le B avec le E, c'est B, B. Et le P avec le E, c'est P p d'accord on va former des mots maintenant un pull un pull pull un tapis un tapis alors le mot tapis le s à la fin du mot je le prononce pas je ne le prononce pas maintenant notre roche donc c'est un tapis un tapis encore un mot une robe une robe robe encore un mot une banane une banane maintenant on va passer à une chose très très importante le français dans l'oral français, on parle beaucoup de l'oral français, que ce soit dans la lecture ou là. Et ils parlent beaucoup, les élèves, les enfants, surtout dans la lecture, ils parlent beaucoup sur la lecture. « Où sont les sons ?» Alors, le français, on parle beaucoup de sons. C'est quoi les sons C'est les voyelles, on parle des voyelles, mais il on a un autre son, c'est-à-dire une autre voix. Par exemple, on va commencer par le premier son, qui est le « ou ». Donc, le O avec le U, c'est un O, c'est un U, mais ma je le prononce OU. 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 D'accord Par exemple, là, on dit nous, nous, nous DOU. DOU. POU. 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 BOU. 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 D'accord On va former des mots. Une poupée. Une poupée. Poupée. Une trousse. 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 Une trousse. Donc ça, c'est le premier son. C'est le ou. Ou. Le deuxième son, Anna, c'est le o avec le i. Donc le O, mal I, c'est wa. 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 Par exemple, moi, moi, toi, toi, loi, loi, bois, bois, poids, poua, D'accord On va prendre des mots. Le, toi, le, toi. Une étoile. Une étoile. Une poire. Une poire. D'accord Donc, le O mal U, je finis, ou. Le O mal I, c'est OA. OA. Un autre son, maintenant, c'est le WIN. WIN. Par exemple, moins, moins, point, point, loin, loin, rouin, rouin. D'accord Donc, O-I-N, c'est ouin. D'abord, tu le dis comme directement le ouin parce que le O-I, c'est ouin et O-I-N, c'est ouin. vous dire que D'accord On va prendre quelques mots. Une pointure. Pointure. La pointure li Kanef les chaussures, c'est-à-dire le numéro li Kanef les chaussures. C'est une pointure. D'accord Un autre mot. Des coins. Des coins. Bien sûr, les coins, ce n'est pas les poires. Adam une poire. Mais les coins, ce n'est pas...